Par contre, j'ai plus à boire, moi, ça m'énerve. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr Chewy, Mr Wookie pour Twitch. Dr Chewy pour vous servir. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, moi, ça va, il fait chaud, enfin, voilà quoi. On se retrouve donc sur un changement de musique déjà. on se retrouve sur l'épisode 8 de la coop, enfin de la save à coop. Donc voilà, sur la suite qui précède la vidéo précédente. Hein. On est à Dunn, toujours, mais dans la réserve naturelle. Là je m'apprête à aller scouter. Donc bon, on va aller scouter hein. Par contre je voudrais bien le jour. Voilà. Hop, nickel. Alors. Ouf. Hop, on va aller jusque là pour scanner la deuxième partie. Ouais, donc on suit le chemin quoi. Oui, c'est vrai, on peut ouvrir plein de conneries là-dedans. Intérieur, c'est mort là. Hein. La route hein. En fait on aurait peut-être dû passer par où je voulais passer juste au-dessus hein. Alors vue intérieure légèrement encombrant pour jouer. Les rétros ils sont sympas, ils sont bien gros. Tableau de bord basique. Je suppose que là on est au bout de la map.
Comment ça fait que ton capot de torrent est ouvert? Bah c'est moi qui l'ai ouvert. Pareil, les vitres que j'ai ouvertes. J'ai tourné le snorkel. Ça sert foutrement à rien, mais bon. Alors, niveau d'eau dangereux, le moteur il est sous l'eau. Hein? Mais ça passe. Là, vaut mieux avoir un bon snorkel hein, pour passer là-dedans. Hein. Si t'as pas un bon snorkel, tu te noies. Ah tiens, il y a un point de vue là-bas. On voit un pêcheur sur un bateau. Et automatiquement, comme le véhicule il a un snorkel, même le capot ouvert, le jeu il le considère comme fermé, puisqu'il y a le snorkel. Donc en gros, il se noie pas. Par contre, c'est vrai que ça m'énerve un petit peu quand même. Hop. Ouais. C'est vrai que ça me stresse un petit peu quand même. Pour faire le con. Préparez vos balls ou vos quick balls si vous voulez attraper un Pokémon avoir quasiment le premier lancé. Enfin, je sais pas comment ça se goupille, mais bon. Et un Zarbi sauvage apparaît. Ouais, encore le A. Théoriquement, dans le jeu, il y en a 27. Comme les nombres de lettres de l'alphabet. Oui, c'est comme ça que c'est décrit dans le jeu. Ouais, je suis au bout de la map, là. D'accord, bon, il y a une remorque par terre. On va aller scanner ici. Ok, un bug. J'avais même pas vu que j'avais une antenne devant. Ah, Pokémon s'est échappé. Ah,
Par contre, la remorque, elle va me faire yes, hein. Ah, c'était pas la remorque que j'avais accroché. On va ramener ça là-bas, peut-être que j'en aurai besoin. Si j'en ai besoin, parce que là je crois que c'est ici qu'il faut prendre les poutres, les planches de bois. Donc il m'en faudra, je pense, au moins 4. Donc il vaut mieux avoir une remorque sur place. Hop, voilà. Alors c'est quoi ici? Dimanche, ok. Ah, amélioration découverte. Ok, droit devant. Ensuite, on prend la route. Voilà. Voilà. Là, il y a quelque chose dans l'eau. Et on va scanner là. Un peu de mal quand même, hein. Mais t'es sérieux? T'en chies là-dedans, mais y a rien qui te gêne. Et t'as les bonnes roues. Sur une branche qui empêche de passer. Comme toujours avec la physique réaliste de ce jeu.
Il y a un truc dans l'eau là. Oh, sur un quadrateur. Truc inutile. Ah oui, d'accord, il a valsé loin le... Comment s'appelle le wagon là. Salut Warcax. Comment ça va? Renan, c'est vu tout à l'heure il me semble. Chez June. Ou chez Sylve, je sais plus. Bah ça va. Ça va. Oui, Cécile, ouais. Comme tu vois, je suis parti, je suis à Don là. Je suis sur la save spéciale coop. Donc en gros, sur la save là, j'utilise les... Bon, je m'en fous de récupération, tout le bordel. J'utilise les camions les plus pétés que j'ai possible pour faire les missions, pour récupérer les améliorations et les véhicules gratuits qui seront utilisés pour les sauvegardes en coop. Enfin, les parties en coop. Et Rodjoun. On va parler des espèces de machins qui n'avancent pas comme celui-là, là. Ça, c'est un mode qui va vite dégager, je pense. Certes, il a des pièces de réparation. Je crois qu'il a 1000 pièces de réparation au total. Presque autant d'essence, mais bon. S'il avance pas, c'est pas la peine. Hein. Je vais peut-être faire le plein quand même. Mal à la taille du rat. Donc on continue par là. Hop, on va aller scanner là-bas. Ah,
Bon, ici c'est quoi? Je suppose que c'est des grumes. Ou des lontrons. Lontrons, tronc moyen, tronc court. D'accord, il y a les trois. Ok. Ah, tu m'étonnes, je sais pas c'est quoi qui me bloquait sous l'eau là. Non, j'ai les suspensions hautes, hein, il me semble. Et oui, pourtant j'ai les suspensions hautes. Bon, y a pas beaucoup de différence, mais bon. Bon, c'est vrai que les troncs ils sont utiles, hein, des fois quand t'es embourbé, tu t'accroches le treuil au hasard, bah, tu peux tomber sur un bon tronc qui est planté sous l'eau, quoi. Et des fois ils font plus siège qu'autre chose quoi. Il y a quelque chose là-haut ou pas? On va voir d'abord s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Ok. Oh, lesquels? Il y a combien avait les trois là? Level up pour Kiki. Deuxième, niveau 56. Et un Nodulite sauvage apparaît. Pokémon Rock Roche. Oh, bon, non, ça va. Avant, ça m'énervait de les faire parce que je les gardais pour la fin. Et quand j'arrivais à la fin, bah, il n'y avait plus que des troncs à faire et ça me saoulait. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que... Enfin, sur ma sauvegarde normale, hein, ce que je fais, je mélange. Je fais des livraisons normales. Oh, tiens, puis allez, je vais faire un tronc ou deux. Et puis après, je repars à mes livraisons normales et ainsi de suite. Et maintenant, ça me dérange plus de les faire. Ah, là, il y a deux quêtes. Bon, non, c'est pas une question d'expérience, hein. C'est juste une question de gérer le truc pour pas tout faire de pour pas tout faire la même cargaison. Quand on fait la même chose tout le temps, c'est saoulant. S'est échappé. Personne n'a tenté. Mon jus pour ce soir pour t'expliquer vite fait ton overlay. Oui. J'ai encore juste un gros truc au milieu à aller scanner.
Oh, c'est une mauvaise idée de mettre un point là, mais on s'en fout. Par contre, il n'y a pas beaucoup de quêtes encore ici, hein. Il faut livrer des troncs moyens ici. Les planches de bois, bah oui, hein, zone de déchargement. Ok, donc il faut que je fasse d'abord le pont. Et des longs troncs. Donc il me faut un camion avec avec un truc pour longs troncs. Et en tracté, hein. Et un attelage bas. Donc il me faut une remorque à long tronc, attelage bas. Non, mais mon overlay, hein, June, c'est via OBS, hein. C'est pas un overlay expert ou un truc comme ça que vous utilisez là. Moi, je suis, c'est un overlay pour PC, hein, que j'ai pris. Ok. Ouais, ça marche. Bon, je pense qu'après le scan, là, j'aurai plus besoin du scout. C'est bon, là, il n'y a plus rien à scouter. Écouter toute la map, j'ai déverrouillé les quêtes qu'il fallait. Et j'ai toujours pas débloqué le géant, le roi endormi là. Hein. Commence à me saouler les étiquettes. Hein. Ça c'est de l'eau, ça je le sais. Je suis pas pro au cas où, juste les bases. Oui, vas-y. C'est de rester le plus sur la boue ou sur la terre parce que bon, dans la flotte il en chie le vieux. Voilà, ouais, je n'ai pas cette musique à la mort moelleux, hein. Enfin, cette musique de délire. Parce que bon, voilà quoi. Allez, accélère, courez. Non, mais pourquoi t'arrêtes, abruti de camion, là? Ah oui, si je passe en vitesse neutre, c'est sûr qu'il va s'arrêter. Mais il vaut rien au final celui-là.
Bon, par contre, c'est vrai que sur la neige, c'est un très bon véhicule. Hein. Enfin, très bon. Non, j'ai mieux en scout. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc il n'y avait rien, effectivement. Ok. Alors, pont des abris, traversée du marécage. Chute de pierre n'a pas été déverrouillée. Rusé non plus. On peut esquiver, on passera par là. Non, parce que forestier rusé, c'est quoi? Est-ce que ça me serait utile ou pas, cette quête ou pas? Alors, carte interactive. Réserve naturelle. Ah, il y a un véhicule là, je l'avais pas vu. Traversée du marécage. Excursion. Non. Pont de l'Abré, ok. Mais par contre, il me faudrait la map là. Je peux mettre. Bon, tu te mets la map, oui. Merci. Alors, où est-ce que j'ai vu là le véhicule? Faudrait un bâtiment pour m'y retrouver. Ok. Donc, je peux me baser sur la remorque de carburant éventuellement. D'accord, donc elle est là. Et le Tatra, il est là. Ouais, donc éventuellement, je peux toujours passer par le forestier. C'est pas ça qui va me gêner. Hop, voilà. Sinon, le forestier, là, est-ce que ça me donne quelque chose, la quête? Non, il faut... Ah purée, je suis obligé de faire la quête pour récupérer le véhicule. Pour forestier usé, il me faudrait un conteneur sécurisé. Ouais, donc en gros, il faut que j'aille quand même activer la quête. Donc j'ai encore eu besoin de ce véhicule. Conteneur sécurisé, je pense que ça doit être sur place. Je verrai bien quand je voudrais récupérer la quête du forestier. Si cette espèce de dos veut bien avancer.
Quand il est limite contrôlable quand on enclenche la vitesse haute, hein. Mais au moins il va plus vite. Ça c'est quoi? De pierre, ok. Ça c'est la chute de pierre. Alors pour moi, une chute de pierre, faut pas livrer des pièces de réparation ou une connerie comme ça, faut amener un bulldozer ou de la TNT, ça va plus vite. Au moins c'est plus facile à transporter qu'un bulldozer. Tu pètes 3-4 bâtons de dynamite dans la bagnole, tu les amènes à destination, tu les allumes et puis voilà, tu allumes le petit pétard et puis c'est bon. Tu fais sauter tout le coin. Un Pokémon va apparaître. Et c'est un Galégon qui vient d'apparaître. Oh, je me suis trompé de ball. Malheureusement, ça va être la Pokéball qui va être prise en compte la première. Allez, je croyais que j'avais. Vas-y, on sait qu'une simple Pokéball. Avec de la chance. On va rester dedans. Oui, mais non. Oui, mais oui. Ah bah j'ai quand même réussi à le rouler. GG Wookie. Et avec une Pokéball, c'est ça le pire. Bah, je suppose que c'est un Pokéball qui a été prise. Récupère un tar énorme. Super, c'est de la merde. Bref, c'est pas ça que je voulais faire. Galégon. Ah, bah j'ai plus de Pokéball, donc c'est une première ball qui a été prise en compte. Ah oui, mais attends, ça fait combien de temps que j'en ai plus des Pokéball, moi? Ah oui, beaucoup, ouais. J'en avais 126. Les premiers balls, il m'en reste que 88. A mon avis, ça fait déjà un bout de temps que j'ai plus de Pokéball, hein.
Eh ben, on s'en fout. Là, le forestier a accepté. Et on va amener ce dos, ce truc, à côté du Tatra. Et on ira chercher un autre véhicule pour faire les quêtes ici. Pour déverrouiller le Tatra. Et ensuite, continuer les quêtes pour repartir à Don pour déverrouiller l'autre Tatra. Oui, je sais, Tatra le fer. C'est ce que je fais. Hein. Et quelle map de Med? Bon, elle est moins pénible que Aegis Nord. Je prends plus quand même de plaisir à me trimballer ici, quoi. Bon, pas avec ce véhicule pourri, mais bon. Ouf! Oula, le panneau, je sais pas où il est parti là. Il est parti vers d'autres cieux là. Il est parti vers d'autres cieux le panneau. Et c'est quoi de ce pont de mort là? Regardez-moi ça, la gueule du pont. Même mon pont mobile, il était moins bizarroïde. Eh mais je passe là-dessus avec un camion, il va s'écrouler sous mes roues ce truc. Allez, accélère. Oh là là. Quoique je suis pas venu avec le Defender ici. J'aurais déjà fini ça. Ah, il est là le Tatra. Mais quelle épreuve ce 4x4. Ah, un autre à récupérer ici des fois. Non. Super, je suis coincé encore. Oh là, mais quel daube! Ah, mais putain, c'est les arbres de mort là qui me bloquent! Purée, casse-toi là. On aura besoin de lui de toute manière, comme il a les pièces de réparation. Oui, mais non. J'aime bien les arbres, mais pas les arbres de... qu'il y a dans ce jeu. Sooner or later, they're all...
J'arrive, 2 secondes, je vais me refaire un café. To mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days. What a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all over. C'est bon, me voilà. Et ça veut dire ça, ça veut dire quoi ça? T'es vosgien, tu devrais aimer les armes normalement. Non mais. Alors, slash ban def Warcax. signaler aussi pour cliché vosgien. Bon bref, arrête tes conneries, Luki. T'as du boulot. Alors, il faut des planches pour le pont. Il est où le pont déjà? Ah, il est là. Ouais, c'est vrai que j'en aurais besoin parce qu'il y a le périmètre d'usine là qui me gêne. Bon, j'ai amené la remorque, mais j'ai pas de camtar sur place. Donc, comme j'ai dit, il me faut un camion avec attelage bas et une remorque à grume longue. Ok, bon, on va aller chercher ça. Hop. Garage. Beaucoup d'armes dans les Vosges et Jura. Oui, bah oui. C'est vrai que, certes, c'est du cliché. Les Vosges, il y a des arbres et tout ça, et de la neige, mais c'est la vérité en plus. Mais c'est vrai que moi j'adore surtout quand il y a la neige. Ça change complètement le décor, quoi, tout simplement. Hein. Tu veux un pont, Warcax? Je te amène sur ta sauvegarde, non? C'est ça. Voilà, si tu veux, je te amène sur ta sauvegarde, ce véhicule. C'est quoi ce truc? Bah, je vais te montrer. Oups, j'étais un peu trop loin. Hey, yeah.
il s'est un peu bugué là, mais voilà. C'est ça. On va prendre un autre véhicule. Bien sûr, hein, toujours le caillou là. Hein. Bon, c'est mal foutu parce que je l'ai bugué là dans la terre, mais. Hop. Voilà. T'as compris le principe du truc? Un simple pont, enfin un simple, il peut s'étendre à 70 mètres. Et il y a l'autre version. Je crois que c'est celle-là. Hop. Version 70 mètres aussi. Mais ça, c'est une version pourrie. Un parasect sauvage apparaît. Pokémon insecte. Ah, bah tiens, justement, moi, il m'en faut des insectes. Alors, j'avais dit qu'il me fallait dans le navigateur mode. C'est un mode, hein, tout simplement. C'est pas, en plus, c'est pas un mode qui est lourd, hein, il doit faire une cinquantaine de MO de place. Mais bon, il y en a d'autres qui sont bien. J'ai des modes qui rajoutent juste du décor. Genre, j'ai un mode qui rajoute, qui colorie les bacs ou... Les machins que tu mets derrière ton camion de la même couleur que la peinture du véhicule. Alors il me fallait donc un véhicule avec attelage bas et une remorque à grume longue. Tu m'étonnes, il est fou ce jeu. Bon, bah on va en racheter un. Bon, je sais jamais lesquelles boîtes de vitesse qu'il faut prendre. Piste ou bout, c'est quoi le mieux? Que bon, il y a de la boue, mais c'est aussi du hors piste, quoi. Bon, on va mettre des pneus bout, tiens, des pneus tout terrain, bout. Oh non, c'est rien, je sais plus lesquels que j'ai pris. Ouais, des pneus hors piste. Treuil de 50 mètres, roue de secours, c'est bon. Hop. Regarde, par exemple, tu vois, je vais prendre. Regarde, tu vois le bac, il est jaune là. Et puis le camion est blanc et bleu. Regarde, hop. Voilà. Il se colore avec le camion. Il se colore avec le véhicule.
mais c'est pas ça qu'il me faut. C'est un attelage bas. Attelage bas. Est-ce que je garde la grue ou pas? Hop, balise blanche toujours. Le gros parbuffle. Ben, on va le mettre en... Oh tiens, en bleu et blanc. Le radar amovible, embarqué. Hop. Alors, maintenant... purée, il n'y a pas de magasin de remorque ici. Eh oui, où le magasin de remorque? Ah bah bien sûr, il est là, hein, par ici. Ah, il y a un bug là, c'est coûte ce beans. Remorque à carburant scout. Carburant scout. Remorque à rambarde, carburant scout. Station service. Site de livraison. Carburant. Bon, c'est quoi de cette musique de merde là? Mais ta gueule, on change. Ah d'accord, il est là. Ah ouf, j'ai eu peur. J'allais dire, merde, il est où le magasin de remorque? Hop, bah oui, comme j'ai pas été sur place. Juste bah normalement il doit être à quelque part là-dedans. On aurait tout vu, c'est-à-dire compte, est-ce que je me rappelle pas si j'ai activé le bon mode ou pas? Si c'est pas le cas, faudra que j'aille l'activer. Parce que j'ai activé le minimum, parce que de base, c'est juste de l'exploration rapide pour récupérer les améliorations et les véhicules gratuits. Ah, les couleurs associées à la remorque. Ouais, c'est génial ça, au moins tu peux décorer, tu peux avoir le camion et sa cargaison arrière de la même couleur. C'est un petit mode qui prend 10 MO, je crois, ou 0,4 MO, je sais plus. Voilà. Dommage, j'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur Start pour faire une photo. Aïe, bordel.
Hortel de Metz. Non mais ne me dis pas qu'elle n'est pas déverrouillée. Non mais sérieux, mais c'est la mort aussi là, ma plat. Il y a un remorque, il est là normalement. C'est pas possible, je dois faire encore une autre quête ailleurs pour débloquer le magasin de remorques. Eh oui, bloc de béton, donc il m'en faut deux et trois ciments. Il faut aller chercher là-bas. Moi, mais purée, putain, plus j'avance pour déverrouiller à la base, hein, à la base, c'est pour déverrouiller ce machin. Ah, c'est pour déverrouiller ce véhicule. Donc pour déverrouiller ce véhicule, il faut que je fasse la quête, sa quête qui est là. Mais elle n'apparaît pas. Pour qu'elle apparaisse, il faut que je fasse une autre quête que j'ai même pas encore. Donc je dois aller au hasard pour faire des quêtes et espérer déverrouiller enfin la quête pour ça. Mais pour l'autre Tatra qui est sur l'autre map, je peux pas la déverrouiller parce qu'il me faut aussi pareil. Il faut que j'accède sur place avec une remorque à grumes. Or, la remorque agrume n'est pas disponible. Il faut que je fasse une quête pour débloquer le magasin de remorque. Non, mais je vais appeler du renfort, là. J'en peux plus, là. J'arriverai jamais à sortir. Ça te dit de venir jouer Marcax? Il faudra installer des mods, par contre. Donc, alors, pour ça, il me faut donc 3 ciments, ça prend une place. Donc, il me faut 3 places. Plus un bloc de béton, 2 blocs de béton qu'il faut 2 places. Bon, heureusement, il y a lui qui est là. Mais est-ce qu'il a le bac? Oui. Nickel, donc, ça va, je peux aller, je suis pas trop loin pour aller chercher les blocs de béton. Et pareil, le pont en bois là, je peux pas le réparer. Je ne peux pas le réparer parce que j'ai pas de planche. Pour des planches, il faut aller chercher à l'autre map. Et l'autre map, c'est une map de construction, donc il faut fabriquer les planches, d'après ce que j'ai capté. Donc je suppose qu'il va falloir amener des grumes. Et pour amener des grumes, que ça soit longue ou courte, bah il me faut la remorque. Mais pour la remorque, il me faut le magasin. Donc dans les deux cas, il me faut forcément un magasin. Alors, il faut bloc de béton x2. Pièce de rechange, rouleau de métal, ok, dalle de béton. J'aurais dû les amener là, les planches en bois, mais bon, ça me serait revenu au même, j'aurais été bloqué là. Donc, il faut livrer. Je répète la galette. Il faut livrer à l'autre bout de la map. Ouais, bon, on va passer par là, on fera un peu de tout terrain. Il me faudrait bien un de mes ponts mobiles. Il est proche du garage. Ouais, je vais tester, tiens, voir s'il est faisable. Bon, par contre, je peux pas non plus l'utiliser n'importe comment. Parce que si j'ai quelque chose qui l'empêche de passer les pattes de devant, il avance pas. Il est bloqué. Et s'il n'y a pas d'endroit pour le poser ou un endroit à la mormoineux, bah ça va pas le faire quoi. Faut que je traverse. Gauche, droite, tout droit et droite. Et gauche, pardon. Gauche, droite, gauche. Ok, gauche.
Droite. Aïe. Et première à droite. À gauche, pardon. Normalement tout droit, c'est ça? Que j'aille là-bas. C'est gauche, gauche. Pas juste gauche. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir poser le pont? Ouais, je pense. Que quelque chose doit m'empêcher, c'est possible aussi. Voir s'il va aller jusqu'à l'autre côté. Non, il va être trop court. Ouais, il est un peu court. Donc, on va avancer un peu dans l'eau. Aïe aïe aïe. Que je le réinitialise. Et un hypnomade sauvage apparaît. Waku waku. Waku waku, c'est qui qui a waku à côté? Ah, c'est Fifou. Merci Fifou pour le follow. Installe-toi, installe, admire le non-skill du Wookie. Je vais pouvoir déployer la remorque, la grue. Il y a peu de chance. Non, c'est ce que je pensais. C'est un pont. Pont mobile. Je suis en train de galérer, j'arrive pas, il est un peu trop court pour faire pour traverser toute la rivière. Donc faut que je trouve un autre moyen pour le mettre en place. Que si je le déploie complet. Le déployer en complet, il va pas jusqu'au bout. À moins que j'arrive peut-être à flouter. Ah, super, je bloque. À moins que j'arrive à flouter en utilisant les montées. Voilà, là je suis au maximum. Attendre la sauvegarde. J'active les ancres là. Est-ce que ça pourrait pas le faire? C'est tout juste.
Il me semble que c'est tout juste pour y aller. Hop, on va voir, hein, on va aller sur place avec le Spartan et on verra bien si on peut passer. Bon, c'est un peu risqué parce que j'ai l'impression que le courant l'emporte un petit peu. T'as vu Warcax, comment que ça fait quand c'est coloré quasiment de la même. Bon, là par contre j'ai pas pu spécialement colorer pareil à cause de la bande noire qui est de base inchangeable sur la benne. Et tu vois quasiment presque la même couleur que le véhicule. Oui, c'est un pont utile mais un peu casse-pied Kiki comme tu as pu le voir. Mais avec un peu de bol, j'ai réussi à pile aller sur tout le bord du deuxième pont. Donc peut-être que je devrais pouvoir passer. Ou pas. On verra bien quand on va y arriver. Peut-être que d'ici que j'arrive, le pont il se sera fait embarquer par la flotte. Non, il est toujours en place. Voilà, passe, ça risque peut-être d'être tout court, tout juste, mais ça a l'air d'être bon. J'ai peut-être réussi à flouter un peu en allant un peu plus dans l'eau. Bon, si je serais en partie normale, il faudrait que je vienne avec un treuil pour le tirer, pour le sortir de l'eau par contre. Que je suis passé par là. Oh oui, en fait, je suis passé bien, je suis bien placé dessus. C'est-il pas beau? On va voir si il va pas bugger au moment que je vais mettre les roues dessus, quoi. Parce qu'après tout, c'est superposer un mode sur un autre mode, là. Hein. Dans une position pas spécialement adaptée. Ouais, il s'est fait un peu embarquer. Mais ça passe. Et voilà, GG Wookie. GG Wookie, GG Youfou. Alors, il faut que, bref, que j'aille livrer mes conneries. Que j'arrête mes conneries. Et que j'aille livrer... non, pas ici. Voilà, par là. T'as vu Fifou au fait Ah, au fait, je t'ai pas dit, hein, bah quand même, hein, j'ai pas fait mon petit speech habituel. Bienvenue sur le live. Ah, tu t'es absenté, Warcax? Ah, bah c'est ballot, t'as vu quand j'ai déployé le pont mobile ou pas? Enfin, au-dessus de l'eau, non? Regarde. Attends, je vais y retourner pour te montrer. Donc sinon, comme dirait mieux que moi le marchand, Fifou... Welcome. Donc, comme tu es follow, t'as la possibilité d'utiliser les sons du live, gratuit, mais attention, hein, à la limite du raisonnable. Sinon, c'est de ma part, c'est un rappel et un TO, et si ça continue, c'est le ban. Mais si j'ai mon modérateur principal qui se pointe, c'est direct le ban. Donc, tu as la possibilité, soit en faisant point d'exclamation sound au pluriel, pour avoir la liste des commandes, soit tu attends que Kiket te balance la liste des liens, des noms,
Voilà. Ou bien tu regardes sous le live tout simplement. T'as la liste. Regarde Warcax. Le Wookie là, il a déployé le pont au-dessus de l'eau là. Hop là. Oh la vache. On va repartir en marche arrière maintenant. Non, on va pas risquer. On va descendre. On va faire demi-tour en bas sur la terre ferme. Hop là. Ouais, il fait 50 mètres. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Et là, ça démarre. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ouais, il fait 50 mètres de long, le machin. Ouais, tu vois, il y a les roues qui sont un peu au-dessus du vide. si, ça va me déranger. Ça risque d'être un peu dérangeant parce qu'il y en a quasiment une cinquantaine. Donc teste plutôt ce que le nom attire tes yeux. Bon allez, avance, espèce de poubelle à 4 roues. À 10 roues, pardon. Ouais, parce qu'il y en a une cinquantaine, hein, donc perso, c'est pas spécialement pour moi, mais bon, il y a aussi du monde qui regarde, quoi. Clic, pam, pam, pam. C'est bon, il y a quand même une dizaine de personnes aussi sur le live, donc bon, voilà, quoi. Bon, par contre, pourquoi ma musique s'est éteinte, moi? Ah non, la blague. Bon, par contre, il a du mal un peu, mon petit western, là. Dude, il a pas autant de mal que ça. Attends, je lui ai mis le moteur le plus puissant qu'il a. Ouais, bon, c'est la boîte, hein, comme d'hab, hein. J'ai changé de boîte, j'aurais mieux fait de mettre la boîte habituelle. Oh, ça t'empêche pas d'en balancer un de temps en temps, hein. C'est pas un souci, ils sont quand même faits pour ça. Mais je demande à peu près au moins 5 minutes entre chaque son si tu veux tous les tester un par un. Quand même. Allez, avant. Non, pute. Oui, bah oui, autant racheter, hein. Ah, bordel de merde. Je m'accroche où là? Oh mince! Tu m'étonnes! Eh, purée! Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, mon foutu camtor là? C'est de l'ado. Bon, allez, hein, hop, on va pas me faire yesh. On va prendre un autre camion, hein. Ah, le Bognac, il est parti à perpète les oies encore. Ah, il est ici. Qu'est-ce que la remorque? Bon, la remorque, je vais la laisser là. C'est pas un véhicule un peu plus proche?
Non, j'ai aucun véhicule proche. Il me faut un camion avec une grue et deux places. Bon, lui, il est le plus proche. J'ai pas la grue dessus des fois. Non, il n'y a pas la grue dessus. D'accord. Ah, autrement, les autres, ils sont tous ici. On touche pas de chez ici. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va en racheter un et puis c'est tout. Hein. Merci pour Ratos. Ah, j'en ai peut-être un autre hein, qui pourrait le faire, mais. J'ai fait un tri dans les modes, enfin dans les véhicules modés. Je les ai quasiment tous supprimés pour aller sur une sauvegarde en coop. Hop. Le boire, il est où? Boire. Sorti ou quoi? Boire. Vial, boire. Ah, il est encore à Agis. Mais oui, pourquoi que je l'ai pas ramené? Mobile. Je crois que je l'ai amené ici, lui. Bon. Oh, ben, je vais pas me. Hein, hop, on va faire comme ça. Tac. Hop, voilà. Allez, 1 million de torques dans la dent, dans les dents. Alors, je mets ma boîte de vitesse habituelle. Suspension active. Pneus. Il les a. Oeil de 50 mètres. Hop. Module. Il lui faut donc un bac et la grue. Un bac colorable. Ouais. Il m'a pas mis le bac à boutique. Merci. Est-ce que je peux? Non, le bac là ne se colorie pas. Ok, donc il dégage. Hop. Ah merde, c'est qui avait été là? C'était un Kabuto. Et tu l'as attrapé. GG. Hop, ça doit être celui-là, je crois, qui est colorable. Non, c'est pas celui-là. J'ai remis le même, je parie. Hein? Morque plateau, flatbed. Sorte. Oh non, il n'y a pas de bac colorable. Ok. Bon, on lui met une simple remorque plateau, hein, puis c'est tout. Divers. Bon, il a déjà des antibrouillards. Bouclier anti-chaleur. On va lui mettre une couleur. Oh, donc on va mettre ça. Le radar. Nickel. Hop. Allez. Le but du Poké Catch, bah pour ceux qui s'y intéressent vraiment, c'est le fait de collectionner les bestioles et de faire des combats avec d'autres streams, avec d'autres gens, ou comme moi qui cherche juste
à passer le temps et à collectionner les Pokémon. Donc dans les deux cas, ça sert foutrement à rien, quoi. Bah, comme tout jeu, hein, ça sert foutrement à rien. Mais bon, ça passe le temps, et puis bah, de collectionner les bébêtes, c'est toujours sympa, quoi. C'est pareil, t'as le point d'exclamation plante pour la bombe, t'as le point d'exclamation fish pour la pêche. Par contre, il me casse les... On va monter en hauteur. Ah, mais le jaune d'œuf, il est vert. Il est vert, le jaune d'œuf. Ah non, je vais pas me retourner aussi avec celui-là. Non, ça va. Voilà. Alors, réunissez les rues, déballez, empilez. Ah, nickel. On a récupéré la cam. C'est bon, je vais pouvoir livrer, boss. On a récupéré la cam. N'oublie pas de te faire payer, surtout. Ah, pas de soucis, boss. Et je commence à partir dans des délires. Là, on est déjà deux, on est déjà plusieurs dans la tête. Alors, si j'en rajoute, ça va pas le faire. Allez, livrez tes merdes là. Hop, maintenant 3 ciments. Bon, toi tu restes ici pour le moment, j'ai plus besoin de toi. Alors, dans le garage, j'ai les deux Kenny. Enfin, j'ai le Kenny 12x12. Qui apprend un bac de 3. Alors, extrême. Tout terrain. Tension ultime. Un pneu 50 pouces. Offline, coup de secours, service rack, bah, ça me sera utile. Orkel, bac de 3, ok, donc ça m'enlève automatiquement les roues de secours. Quel, okay, je m'en fous. Ouvrant le pare-choc, Deer Destroyer, comme on dit, destructeur de cerf. Soleil. Voilà. Elle va crever, tiens. Je suis à combien de rec là? Je suis à 1h30 de rec.
Alors, je vais faire l'intro de fin de pour YouTube. Je laisse Twitch tourner, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de, vous avez pas besoin de partir. Enfin, sauf si vous en avez marre de m'entendre. Mais le live continue. Mais par contre, je vais faire mon outro et mon intro de vidéo YouTube. Et par contre, j'ai pas récupéré d'image pour le faire. Ah bah tiens, j'ai peut-être une petite idée que j'ai vue. Ouais, il y a ça, ok. On va prendre le petit véhicule, le petit garage, entrepôt de Camtar. Ah, je l'ai pas, oui, j'ai essayé là-bas. On va prendre juste un machin comme ça. Mais non, toi. Mais. Merci. Pas dit de me prendre 50 Land Rover Defender. Non, mais. Il a décidé de me faire yes le jeu là. Merci. On va au moins lui changer sa couleur. Faire propre. Là. En attendant, je vais lancer la petite pub d'une minute. Comme toujours. Hein, comme ça, ça sera fait. Le temps que je fasse la préparation du véhicule, tout le bordel. C'est une mise en scène que je fais, mais qui sera pas. Qui apparaîtra quand même dans la vidéo, mais c'est tout quoi. Vache, elles sont, mais je sais pas ce qu'elle a la cam des fois, mais. Kenny, voilà. Alors, comme j'ai expliqué, pas la peine de quitter. Je fais juste l'outro intro YouTube. Donc voilà. Allez. Donc, eh bien, bon, voilà une bonne chose de faite. Il est l'heure de se dire au revoir et j'en profite pour me détendre. C'était Dr Chewy et Mr Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. Hein, bon, je pense, oui, quand même. Sinon, vous ne seriez pas sur les vidéos, hein, sur mes rediff YouTube. Donc, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, enfin, vous connaissez le blabla habituel. Hein.
ou me rejoindre sur Discord et Twitch. Ou Discord ou Twitch, comme vous voulez. Sur les liens sont dans la description. Sur ce, le docteur Tui vous dit un ciao babouille. Bisous.